Mes amis, gwo bonjour, gwo bonsoir, bon nou tout, dépendamment de l'heure que n'ap gade vidéo a. Nou sou channel Bon Jan Nouvel RD. Pa bliye ke mission pa nou se motive ou, informe ou et orienté ou de tout sa ka passé en République Dominicaine ki concerne ou en tant que haïtien. Grand point kap domine actualité a pou le moment. C'est que gros un scandale pété en République Dominicaine côté 4 individus non identifiés braquer une banque et porter aller plus passer 1 million peso. Encore, gagné un ambassadeur dominicain qui adressé une lettre à président Luis Abinadel côté lettre là li mandé à Luis Abinadel pour légaliser environ 500 000 haïtiens ka vive de façon illégale en République Dominicaine. Nous pral pote plus de détails pour vous sur dossier ça talé comme ça. N'ap invité ou prend t-shirt ba ou chita ou bien monter cabane nous allongé ou pour capable garder vidéo ça jusqu'à la fin pour ka connait tout petit détail dans bon petit mamite. Sans qu'il ne pas perdre du temps, on prend un intro channel là pour nous capable commencer. La Ou Media, c'est un channel tout neuf que nous créons pour vous spécialement si vous êtes un haïtien qui vit en République Dominicaine. Sous l'île nous bois c'est l'idée. Nous bay information concernant immigration et tout nous aider au gérer dossier papier ak en pile l'autre bagay encore. Si vous intéressé, nous déjà mettez link là pour vous dans description vidéo ça avec dans espace premier commentaire pour capable passer abonné. Et pour moun ki pa konnen ki sa ki link lan, juste aller côté n kon commenter vidéo a, n'a point un petit écrit blé, cliquez sous li et l'ap mène nou directement sous channel Claou Media. N'a tande nou tout parce que Claou Media c'est une vraie famille. Wa di pa di ou ça. Yon l'autre fois encore nou salye ou et n'a prend un petit temps pour nous remercier ou. Oui, remercier ou pour l'amour que ou gagné pour channel là. Remercier ou pour like ak partage ou yo parce que c'est grâce à ou même qui fait channel là ka presque nan 40 000 abonnés. Pas oublier mission channel là ou bien objectif là c'est rivé 50 000 abonnés avant année a fini. Aimerait te croire que wap aider nous grandir ensemble avec channel là parce que c'est grâce à ou même qui fait channel là de jour en jour c'est monter la filée monter. République Dominicaine, malgré ce pays qui plus ou moins qui gagne plus sécurité par rapport à pays par nous qui c'est Haïti. Mais ça pas empêcher un paquet zak assassinat et vol toujours à fait la donne. Vendredi qui était 13 novembre 2020 là vers 2h dans après-midi, quatre voleurs débarquaient avec des machines et yon entré dans une banque. Banque Sarele, Banco Santa Cruz, qui trouvait dans la zone Las Colinas de Santiago. Quatre volets saillot est arrivé dans la banque exactement dans le moment côté employé banque tap manger. N'ayant poté aller 1 287 000 pesos à 3 000 dollars américains. Et même moment, la police a décidé de fouquer des agents sécurité banque pour que yo capable faire yo bail explication sur vol là et pour que yo capable ouvrir yo enquête sur dossier. Mes amis, bagala li compliqué tout côté. Ou même ka vive en République Dominicaine, n'ab di ou prudent parce que en pile fois gen plusieurs haïtiens qui kon sorti yo pas rentré. Alors, c'est conseil pam ke m'pote pou ou. Parce que pas vraiment gain sécurité. Si ou est volé arrivé braquer une banque qui gain sécurité à caméra de surveillance, m'pa besoin di ou pour même cap marcher des bois croisés dans pays moun yo. Mes amis, prend en pile précaution, fais prudent s'il vous plaît. Bon,
à nous traverser dans deuxième information que nous gagnons pour aujourd'hui. Juan Bolívar Díaz, qui est un ambassadeur dominicain, dans une lettre qu'elle était adressée à président République dominicaine en parlant de Luis Abinadel, lui mandé pour lui dégager légaliser environ 500 000 haïtiens en République dominicaine. Si toutefois l'État voulait mettre un frein à immigration clandestine ça qui gagnait dans moment là et tout si li pa ta remé bagayo vin pi engravé dans mail pi devant ambassadeur dominicain té allé pi loin pour li té dénoncer plan national de régularisation que gouvernement Danilo Medina té fait parce que li estimé c'était une véritable démagogie que bagay sa li même li téyé à cause d'iré papier sa yo qui pat long et nan moment sa même que wap gade vidéo là tout moun ki té régularisé nan l'année 2017 2018 yo entre année 2019 à 2020 là tout papier moun sa yo déjà expiré. Eh bien Díaz fait connait que haïtien ta dwe gen yon papier légal qui pi durable nan men yo pour que yo capable fonctionner sans que yo pagé aucun problème. Nan lettre li a, li fait connait que nan l'année 2014, gouvernement dominicain a tenté recommencer avec yon lòl plan encore, mais ça pat marché. Parce que pendant que 87% étrangers qui gagnent en République dominicaine, c'est haïtien que yo yé. C'était 3% étrangers en total seulement qui te bénéficié des plans 2014 là. Li fait yon appel à yon nouveau plan national de régularisation. Côté nan nouveau plan, li mandé à Luis Abinadel faire, li déclaré que c'est yon statut définitif, li ta souhaité que haïtien ka vive en République dominicaine yon jwenn de façon pour gouvernement dominicain karale yon souf et pour yon capable en mezi pour yo contrôler situation immigration clandestine ça qui gagnait nan moment et laisse li montrer que a plus facile pour que gouvernement dominicain remonter économie pays a parce que depuis haïtien yo gen papier yo tout ak capable travail nan pays a que c'est nan jardin que c'est nan magasin li quand même domaine construction. Li montrer que depuis haïtien yo ap travail économie pays a garanti parce que travail a fait yo c'est pour pays a y a prêté. Alors nous même bon côté pas nous nous penser que c'est une belle approche que ambassadeur a fait bon côté président Luis Abinadel parce que approche li fait a nan intérêt ni ou même qui c'est haïtien qui vivent en République dominicaine qui souvent nan caché ou bien nan levé couri à cause causé immigration et li en faveur République dominicaine parce que ça a facilité yo yon stabilité nan pays a et activé yo ak marché a pib. En gros, c'est information ça qui n'était porté pour nan vidéo a. N'a remercie yo parce que t'es resté garder vidéo a jusqu'à la fin. Et connaît que pour moi c'était un grand plaisir pour me te faire vidéo ça porter pour vous. Bye bye tout le monde, en pile l'amour pour chaque grand dans nous. Malé, n'attend de voir mon corps dans yo prochaine vidéo sur même channel là qui c'est bon Jean Nouvelle RD. Malé. Hey, talé, avant malé gon bagay moi obligé dit nous. Nous avons une chaîne que nous créons pour nous montrer aux haïtiens qui vivent en République dominicaine yo parler espagnol. Si toutefois vous êtes haïtien qui t'a aimé qu'on parle espagnol, m'a recommandé de visiter l'autre chaîne nous qui relaie Bon Jean Espagnol RD. Mission nous sur chaîne là, c'est enseigner comment on capable à l'acheter dans un colmado ou bien qui gens au café une conversation avec yon dominicain. Channel la gen 3 vidéos sou li pou le moment. N'attend li rive à 1000 abonnés pour nous capable lager vidéo chaque jour. Bye, fois ça, malé.